la petite souris, le dos au mur, regardez l'énorme chat rouge. Oh. La petite souris, tout à coup, sauta par-dessus le mur et courut aussi vite qu'elle put. Vas-y, petite souris, vas-y. Toute griffe dehors, le gros chat rouge sauta par-dessus le mur. Moi, j'aime pas les murs. Puisqu'on aborde le sujet, je trouve grognon. Justement, l'autre jour, j'étais sur le point de terminer dans la gamelle de l'infâme Azrael. Tous les chats sont méchants et vilains comme Azrael, grand Schtroumpf. Azrael est un chat. Il n'est ni méchant ni vilain parce qu'un chat, c'est un chat. Personne ne peut dire le contraire, mes petits Schtroumpfs. Un chat, c'est un chat. Oh. Oui, c'est un chat. Attrape-le, misérable sac à puce. Ne le laisse pas me voler mon fromage. J'ai faim. Tu n'es vraiment bon à rien, Azrael. Un pouilleux incapable. Tu n'attrapes pas les souris, tu n'attrapes pas les oiseaux, tu n'attrapes pas les chauves, tu ne sais rien à faire. Tu me voles le pain de la bouche, tu ne m'apportes que des puces. Ça suffit comme ça, va-t'en, va-t'en. Va-t'en. Mais Gargamel est très dur avec son chat, grand Schtroumpf. Moi, je demande pourquoi Azrael ne le quitte pas, d'ailleurs. Croyez-moi si vous voulez, mes petits Schtroumpfs. Mais ils ont besoin l'un de l'autre. Disons que ça fait partie des relations particulières entre le maître et une petite bête. Dites, grand Schtroumpf, est-ce que je pourrais être le maître d'une petite bête? On verra ça demain matin, Schtroumpf maladroit. Il est l'heure de se coucher, maintenant. Mes petits Schtroumpfs, dormez bien. Bonne nuit, grand Schtroumpf. Et demain matin, je demanderai au grand Schtroumpf si je peux avoir une petite vache. Si le grand Schtroumpf te laisse avoir une petite vache, il me laissera avoir un petit paon. Je vais demander au grand Schtroumpf si je peux avoir un petit ours. Et ben moi, j'aurai une petite bête et puis je lui ferai un joli cadeau. Moi, j'aime pas les petites bêtes. Allô, petit, c'est l'heure de ton bon petit repas. Petit. Va et meurs de faim, misérable sac à pute. Et nous voulons tous une petite bête, grand Schtroumpf. Le Schtroumpf maladroit veut une vache et moi un cheval, grand Schtroumpf. Moi, je voudrais un petit paon. Je voudrais un ours. Je voudrais une girafe. Oh, s'il vous plaît, grand Schtroumpf, on peut dire. Je suis désolé, mais je ne crois pas que ces animaux soient valables pour des Schtroumpfs. Oh. Cependant, je ne m'oppose pas à ce que vous ayez un petit animal. Youpi! Dites, si on a des petits animaux, on pourrait peut-être faire un grand concours. Youpi! Avec des prix, n'est-ce pas? Youpi! Oui, des prix pour tout le monde, n'est-ce pas? Des prix pour la plus grosse petite bête, pour la plus petite, pour la plus adorable, pour la plus intelligente, pour la plus originale. Et puis, remarquez, il est évident qu'on ne peut pas faire de concours d'animaux tant que nous n'avons pas d'animaux, n'est-ce pas? Alors moi, le Schtroumpf à lunettes, je déclare la chasse au petit animal domestique. Elle est ouverte officiellement. Le problème avec toi, Azrael, c'est que tu n'es qu'un vulgaire petit chat. Tu ne vaux rien du tout. Tu es ordinaire, tout ce qu'il y a d'ordinaire, mais ça ne va pas durer. Quand nous aurons partagé ce plat onctueux, tu ne seras plus un chat ordinaire. Non, tu seras le nec plus ultra des chasseurs de Schtroumpfs. Je vais cuire 6 Schtroumpfs, je vais frire 6 Schtroumpfs et guetter 6 Schtroumpfs encore à table. Régale-toi. Tu vas manger ça et te régaler ou je te transforme en souris atrophiée. Oh, par Belzébuth, j'ai dû mettre trop de boue. Si vous passez bien à parler lentement, les créatures de la forêt n'hésiteront pas à s'approcher de vous. Essayez, Schtroumpfette, et n'oubliez pas ce que je vous ai appris. Comme ça, n'est-ce pas? C'est parfait, Schtroumpfette. Oh, j'espère que j'arriverai à schtroumpfer un papillon pour toi. Vous le schtroumpferez si vous savez être très patiente. Oh, mais je serai très, très patiente. Allons, petit. Il est temps de faire miam miam. J'ai quelque chose de bon pour toi. J'ai ton bon petit dessert. Mange ce pâté avant que je te transforme en pâté! Une vache! Oh non! J'ai dû mettre un peu trop de lait. Bonjour, Schtroumpfette. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de schtroumpfer un papillon pour le grand concours. Et toi? Eh ben, moi aussi. Quand
Tiné, je trouve maladroite. Il trouvera quelque chose, un peu de patience. Oh, pourvu que mon papillon arrive vite, ça fait près de 3 heures que je patiente. J'ai dit mange, alors mange. Si tu ne manges pas ce pâté, je te... Oh, j'ai dû mettre trop d'œufs dans ce pâté. Oh, c'est schtroumpfant. Oh, coccinelle, ne t'envole pas. Pour le grand concours, j'ai besoin de toi. Attends-nous qu'il fasse nuit, n'est-ce pas? Et je vais leur montrer, moi. Moi, j'aime pas les araignées. Oh, quelle petite bête schtroumpfante! J'espère que mon papillon va bientôt arriver. Je suis terriblement fatiguée. Oh, bonjour, toi. Déjà tout. Ah non, bébé, je comprends, moi je crois que je vais abandonner. Hé, hey, tu es mignon. Je t'aime bien et toi, tu m'aimes bien? Je vais t'appeler tout plein de poils. Tu veux être mon petit animal à moi? C'est pas la peine de discuter, je regrette. Tu manges ce pâté. Ma fascinante créature, ils ne pourront jamais te résister. Oh non, jamais, jamais. Alors, mon petit rocher, on est presque arrivé. Eh ben oui, c'est ça, bébé, je trouve. Moi aussi, je suis fatiguée. Eh ben oui, bébé, je trouve. J'ai jamais rien vu d'aussi fascinant de ma vie. Hey, on dirait que vous vous plaisez bien tous les deux. Je t'ai trouvé un petit animal, alors toi aussi. Qu'est-ce qu'on attend alors? Moi, j'aime pas les alors. On commencera le concours quand le schtroumpf maladroit sera là. Dès qu'il fera noir, n'est-ce pas, ma petite bête? On les éblouira par ta fabuleuse clarté. Voilà le schtroumpf maladroit. Oh, 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 Et bonjour tout le monde, désolé d'être en retard, mais il m'a fallu un temps fou pour schtroumpf et mon animal. C'est drôlement schtroumpf. Je sais, oui. On n'a pas besoin de le nourrir, lui. On n'a pas besoin de le brosser, on n'a pas besoin de... Mais non, pas le rocher, schtroumpf maladroit, cela... Cette créature fascinante. Oh, comme c'est mignon. C'est incroyable. Schtroumpf-grognon, je vais dans ma bibliothèque. Ne quitte pas cette créature des yeux. Moi, j'aime pas cette créature des yeux. Et maintenant, notre grand concours. Tu n'as pas vu tout plein de poils, schtroumpf maladroit? Je ne le trouve pas. Désolée, schtroumpf bête, mais je l'ai pas vu. Si je le trouve pas très vite, je ne pourrai jamais le faire participer au grand concours. Bon, voyons voir ce qui peut correspondre. Fasciné. Ça, oui, c'est une créature qui fascine. Le schtroumpf musicien et son criquet Horace. Ouais, ouais. Schtroumpf coquet, tu n'as pas vu tout plein de poils? Mais non, schtroumpf, je suis désolée. Mais si je le vois, je lui dirai tout de suite. Créature fascinante, voir page 235. Youpi! J'ai beaucoup de mal à le reconnaître, mais ton petit animal a manifestement surpassé ma luciole, n'est-ce pas? Ouais. Ah ouais, cette petite bête va récolter tous les prix. Les créatures fascinantes ont disparu de la surface du globe depuis plus de 2000 ans. Ce n'est pas une créature fascinante, c'est une invention de Gargamel. Grand schtroumpf, grand schtroumpf, je n'arrive pas à retrouver tout plein de poils. Excusez-moi, schtroumpfette, mais le village est en danger. Facile, petite créature, facile, facile, facile. Facile, petite créature, facile, facile. À l'unanimité des votants, j'ai le grand plaisir de vous présenter le bébé schtroumpf et le grand gagnant du concours. Bravo! D'un schtroumpf, mais c'est de ma faute. <t'en>
Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas du tout. C'est de la pure magie. Un peu plein de poils. Où tu peux être? Si tu savais comme je peux t'aimer de tout mon cœur. Oh, c'est toi! Enfin, tu es là. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je trouve pas ça, moi je comprends plus rien. D'abord, la créature fascinante était une créature fascinante, et puis après elle est devenue un énorme monstre. Et puis après cet énorme monstre, il est devenu un tout petit monstre. Et maintenant, le grand Schtroumpf dit que cette créature fascinante, elle est c'est vraiment Azrael. Et Azrael est un énorme chat. Alors très franchement, je trouve pas ça, moi je suis perdu. C'est toi, le premier. C'est toi, brave petit. Oui! Voyons ce que nous avons là. Ah, Azrael! Mais regarde-toi, tu ne vaux donc vraiment rien, hein? Mais qu'est-ce que tu as à dire pour essayer de t'excuser?